Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce webinaire Découverte de la fatigue des matériaux, organisé par Technique de l'ingénieur en partenariat avec le CETIM, le Centre technique des industries mécaniques. Il est animé aujourd'hui par Isabelle Luther, responsable projet fatigue au CETIM. Le webinaire va durer 1 heure et demie, donc il y a 1 heure de présentation suivie de 30 minutes de questions-réponses. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat pendant l'intervention. C'est à vous. Bonjour à tous. Donc, je vais vous présenter la fatigue des matériaux. Donc, tout d'abord, je suis responsable technique d'affaires au CETIM. Je m'occupe de tout ce qui est caractérisation des matériaux en fatigue, des post-traitements de données expérimentales, ainsi que tout ce qui est caractérisation de structures ou de pièces. Je suis aussi donc référent technique sur les essais COFRAC, donc côté fatigue, donc pour tout ce qui est HCF, donc à grand nombre de cycles, et tout ce qui est oligocyclique, ce qu'on appelle LCF. Et je suis aussi experte dans la caractérisation des joints soudés. Mon collègue Robin Hauteville, qui ne peut pas être présent aujourd'hui, est responsable technique d'affaires, donc il m'a aidé à préparer cette formation pour vous. Donc tout d'abord, je vais vous présenter le contexte et enjeux. Ensuite, on verra tout ce qui est introduction et définition, mécanismes de fissuration et méthodes, différents types de ruptures, excusez-moi, les étapes de conception en fatigue et on verra ce qu'on peut, si vous souhaitez aller plus loin. Donc, côté contexte et enjeux. Donc, la caractérisation des matériaux est important vis-à-vis de la fatigue, puisqu'on cherche à comprendre les phénomènes liés aux dégradations et aux défaillances. Donc les enjeux sont les suivants, c'est de répondre aux contraintes spécifiques des marchés et des tendances, réussir les associations matériaux délicats et comprendre leur comportement dans les environnements hostiles et contraints. Et au CETIM, on a donc un laboratoire indépendant qui a un certain nombre d'années d'expérience dans tout ce qui est donc essais, etc. Et on fait aussi donc des formations en présentiel ou en intra. Donc côté fatigue, en introduction, ce qu'on peut dire, c'est que lorsqu'on sollicite une pièce sous un chargement cyclique, en cours du temps, donc plus on cycle la pièce, on peut avoir apparition d'une fissure dans un endroit de concentration de contraintes et rupture à la fin. Donc pour vous présenter un petit peu un historique de la fatigue, donc la fatigue, on a commencé à en parler un petit peu dans les années 1930. Donc, c'est Monsieur Albert qui a réalisé les premiers essais de fatigue qui sont répertoriés dans l'histoire sur des chaînes de mines, depuis une mine. Le terme fatigue a été introduit par Jean-Victor Poncelet en 1839 pour décrire l'endommagement des matériaux ou des métaux sous sollicitation cyclique. Et un nom qui est très connu en fatigue, qui est Auguste Wohler, qui a conduit donc les premières investigations systématiques en fatigue, et c'est le fameux inventeur des courbes Essen ou courbes de Wohler qu'on utilise pour caractériser tout ce qui est tenu en fatigue. Je vais vous rappeler un certain nombre de définitions qu'on utilise beaucoup en fatigue. Donc l'une d'entre elles, c'est la contrainte. Donc son unité, c'est des MPa, donc c'est des newtons par millimètre carré. Elle est définie avec l'effort et la section. Donc si on sollicite une pièce en traction, donc la contrainte qu'on note sigma en général, c'est F sur S, donc effort divisé par la section qu'on sollicite. Autre grandeur qu'on utilise, c'est la déformation. Donc, qui elle est en
à dimensionner, donc c'est des mètres par mètre ou des micromètres par micromètre. C'est, on la note epsilon, c'est égal à delta L sur L, donc c'est une variation de longueur divisée par une longueur de référence. La fatigue, en fin de compte, est un process qui est un process cyclique, c'est-à-dire que si je sollicite une pièce sous un chargement monotone, je vais avoir rupture pour une certaine charge, qui est la limite à rupture. Donc on note Rm. Et puis sur les courbes de traction, on définit ce qu'on appelle la limite d'élasticité RP02 comme étant une valeur à 0,2% de déformation. Il faut savoir qu'on peut avoir rupture en fatigue pour des sollicitations qui sont bien inférieures à la limite d'élasticité, c'est-à-dire que ma contrainte max lorsque ma pièce subit un chargement cyclique au cours du temps peut être bien inférieure à la limite d'élasticité et quand même avoir une rupture. Donc ce n'est pas parce que vous dimensionnez en statique que vous êtes à l'abri de problèmes de fissuration en fatigue si votre pièce subit des chargements cycliques. On définit les chargements en fatigue de la façon suivante. Donc, si je prends par exemple un chargement en amplitude constante, c'est-à-dire que je vais varier entre la même valeur maximale et la même valeur minimale. Donc, la valeur maximale ici, la valeur minimale ici, je vais avoir ce chargement-là. Donc, on va définir la contrainte moyenne comme étant la contrainte max plus la contrainte min divisée par 2. On va définir ce qu'on appelle un cycle de contrainte, le passage par la valeur, par la contrainte moyenne croissante, donc entre deux passages par la contrainte moyenne croissante. On va appeler amplitude de contrainte la contrainte max moins la contrainte moyenne, ou la contrainte min moins la contrainte moyenne, ou alors on la définit souvent comme étant la contrainte maximale moins la contrainte minimale divisée par 2. Et on va appeler étendue de contrainte le sigma max moins sigma min. Donc attention à ces deux nuances. Étendue de contrainte, c'est sigma max moins sigma min. Donc il y a en général, les gens ne se trompent pas, on parle toujours de la même chose. Par contre, vous avez beaucoup de gens qui appellent amplitude de contrainte l'étendue de contrainte. Donc, vous faites attention à cette nuance, cette notion. Si les gens vous parlent d'amplitude de contrainte, assurez-vous qu'on parle bien de contrainte max moins la contrainte moyenne et pas d'étendue de contrainte, parce qu'entre les deux, vous avez quand même un facteur 2, ce qui est loin d'être négligeable en fatigue. Le chargement, il va être aussi défini avec ce qu'on appelle le rapport de charge. Donc le rapport de charge, qu'on note sigma min sur sigma max, va nous définir si notre chargement il est en compression, en traction-compression ou en traction pure. Donc on va parler de contrainte ondulée de compression lorsque le rapport R est compris entre 0 et plus l'infini, c'est-à-dire que tout mon chargement est en compression. Donc quand sigma max est égal à 0, vous avez R qui va tendre vers plus l'infini. Quand vous êtes en traction-compression, dans ce qu'on appelle les contraintes alternées, votre rapport R, il va varier entre moins l'infini et 0. Donc la contrainte min va être toujours négative et la contrainte max va être positive. On parle de purement alterné quand la contrainte moyenne est égale à 0 et le R est égal à moins 1. Et on parle de contrainte ondulée de traction, cette fois-ci lorsque tout mon chargement est en traction,
Et à ce moment-là, le rapport R va être compris entre 0 et 1. Et plus spécifiquement, on parle de répété de traction lorsque sigma min est égal à 0, donc un rapport de charge 0. Alors pour tout ce qui est caractérisation matériaux, on a l'habitude d'utiliser le rapport R-1, donc tous les résultats qu'on trouve dans la littérature pour caractériser les matériaux sont donnés la plupart du temps pour des rapports R-1. Lorsqu'on fait des essais en traction, en général, on ne va pas faire des essais à R égale 0, on fait souvent des essais à R plus, donc c'est-à-dire à R égale 0,1, parce que lorsqu'on fait les essais pour des problèmes de pilotage de machine, on n'aime pas trop le passage à 0. Donc soit on le passe complètement et on fait négatif, soit on reste dans le domaine positif, donc on fait souvent R0,1. Donc vous trouverez des résultats plutôt à R0,1 qu'à R égale 0. Donc là, ce qu'on vient de voir tout à l'heure, c'est toutes les explications sur ce qu'on appelle des chargements à amplitude constante. Mais donc c'est ce qu'on utilise pour tout ce qui est caractérisation matériaux. Par contre, les pièces en service, en général, on voit pas de l'amplitude constante, mais plutôt de l'amplitude variable. C'est-à-dire que la plupart des pièces en service vont voir des chargements dont le contrainte max et la contrainte min ne sont pas toujours identiques dans le temps et varient dans le temps. Donc on va parler plutôt d'amplitude variable. Et tout ce qui est caractérisation matériaux va être plutôt dans le domaine amplitude constante. La fatigue, on la caractérise, la tenue en fatigue, on la caractérise avec la courbe de Wöhler. Donc la courbe de Wöhler, c'est une courbe qu'on va définir avec des résultats d'essai. Donc c'est une courbe qui est expérimentale et qui va être tracée en fonction donc de l'amplitude de contrainte ici ou de l'étendue de contrainte en fonction du nombre de cycles. Donc cette courbe, si on se met dans une échelle, donc pour sigma décimal et pour le nombre de cycles log décimal, on va avoir une forme, une allure, on va dire à peu près comme celle qui est tracée ici. Et on remarque trois domaines. Donc quand on est inférieur à environ 10 puissance 4, 10 puissance 5 cycles, on va être dans ce qu'on appelle le domaine oligocyclique. Lorsqu'on est compris entre 10 puissance 5 et 10 puissance 7, on va être dans le domaine à grande durée de vie et donc plus spécifiquement dans le domaine d'endurance limitée. Si on est au-delà, on va être sur une partie qui va être asymptotique. Donc c'est ce qu'on appelle le domaine d'endurance limitée, illimité. Donc on va dire qu'on a trois régions, une région domaine oligocyclique, une région ici domaine d'endurance limitée, c'est-à-dire qu'on a toujours rupture lorsqu'on sollicite la pièce, et un domaine d'endurance illimitée. C'est-à-dire que si je cycle ici indéfiniment en dessous de cette valeur-là, je ne casse jamais. Donc cette limite d'endurance va être aux alentours de 10 puissance 7 cycles pour les aciers. Il faut savoir qu'elle n'existe pas pour tous les matériaux, hein. Certains matériaux n'ont pas de domaine d'endurance illimité. Donc, ce qu'on appelle la limite de fatigue, hein, c'est ici on tend vers la limite de fatigue. C'est pour une contrainte moyenne donnée, la plus grande amplitude de contrainte pour laquelle il n'est observé de rupture après un nombre infini de cycles. Donc cette valeur, c'est vraiment une valeur matériau. La seule chose, c'est que lorsqu'on fait des essais, on n'arrive pas à l'obtenir, puisqu'on est obligé d'arrêter les essais à un moment donné. Donc, ce qu'on obtient par les essais, c'est ce qu'on appelle la limite d'endurance. Donc, c'est une contrainte moyenne donnée, une amplitude de contrainte, où on constate
50% de rupture après un nombre fini de cycles. Donc en général, on va se mettre un N donné. Donc souvent pour les aciers 10 puissance 7 cycles. Et on va déterminer expérimentalement cette valeur. Et c'est cette valeur qu'on considère comme la limite d'endurance. Et voilà, ce n'est pas la limite de fatigue intrinsèque du matériau, c'est une valeur qu'on estime. Donc on va toujours parler de limite d'endurance à un nombre de cycles donnés. Et cette valeur-là, elle peut être donnée à 50% de probabilité de rupture, ou on peut après la fiabiliser, donc lui donner une probabilité de rupture. Et puis on va parler de durée de vie d'une pièce ou endurance d'une pièce. Donc c'est le nombre de cycles nécessaires de contrainte pour atteindre la rupture. Donc voilà, si je parle de durée de vie à 10 puissance 6 cycles, ben ça va être le nombre de cycles qu'il me faut pour avoir atteindre, on va dire, le 10 puissance 6 cycles. Donc maintenant, on va voir tout ce qui est mécanisme de fissuration. Donc quelques petits exemples de fissuration. Donc ici, vous avez quatre petits exemples pour illustrer. Donc vous avez à gauche une borne au niveau d'un passage piéton. Donc ce sont les gens qui s'appuient régulièrement sur la borne qui amorce une fissure et puis à force d'appuyer dessus, ben, ça va la faire propager jusqu'à obtenir la rupture de la borne. Autre exemple ici, c'est un mât d'éolienne. Donc un mât d'éolienne peut être composé par différentes parties qui sont soudées les unes par rapport aux autres. Et au niveau d'un des cordons de soudure, dû aux sollicitations que voit l'éolienne du vent, vous pouvez avoir amorçage de fissure et propagation de cette fissure jusqu'à la rupture du mât. Autre exemple ici de fissures qui n'ont pas encore conduit jusqu'à la rupture brutale, vous avez ici un avion, là, l'arrière d'un avion, vous avez une fissure ici au niveau de l'aile derrière et propagation. Et puis, suit un autre exemple, donc sur un pied soudé d'un bâti, où vous avez ici apparition de la fissure et propagation ici le long du cordon de soudure et puis ensuite la propagation dans la pièce. Autre exemple, donc ici la même chose, hein, vous avez une fissure qui est apparue sur un pont de tanker, donc qui fait déjà plus de 2/3 du pont, la fissure. Hein, donc en fin de compte, c'est une fissure qui est apparue aussi au niveau d'un cordon de soudure, puisque les navires sont soudés par tronçon et reliés un tronçon par rapport à un autre par des cordons de soudure. Donc au niveau de ce cordon de soudure qui avait sans doute un défaut, il y a une fissure qui est apparue. Et lorsque celle-ci a commencé à être visible, hein, elle avait traversé presque la totalité du pont. Bon, pour la petite anecdote, sur ce tanker-là, il est arrivé au port, hein, de temps en temps, vous avez des bateaux qui sont cassés en deux. Ça peut être dû à des problèmes de fissuration par fatigue et puis ensuite rupture brutale. Donc lorsqu'on parle de durée de vie totale en fatigue, ça correspond à trois zones, on va dire. Ce qu'on appelle le stade 1, qui est l'amorçage de la fissure. Donc cet amorçage va avoir lieu au niveau microscopique, voilà, donc à l'échelle du grain. Donc le mécanisme, c'est un endommagement et amorçage de micro-fissures et puis propagation de ces micro-fissures pour former ensuite une macro-fissure. Donc lorsqu'on passe de la micro-fissure à la macro-fissure, c'est ce qu'on appelle le stade 2, donc la propagation. Là, ça va être à l'échelle macroscopique de la pièce et ces macro-fissures vont donc se propager. Donc la limite entre amorçage et propagation, hein, c'est une fissure qu'on arrive à détecter
Donc, suivant la méthode de détection qu'on a, bah, va être plus ou moins importante. Donc, ce n'est pas une valeur intrinsèque. On ne va pas dire l'amorçage, c'est tant de millimètres et la propagation, c'est à partir de tant de millimètres. Hein. On parle souvent d'amorçage, tout ce qu'on ne voit pas. Et quand on parle de propagation de la fissure, c'est quand on commence à voir la fissure et qu'on la voit se propager. Cette propagation va avoir lieu jusqu'à la rupture. Donc, cette rupture finale, elle est brutale, donc elle est due au fait que sous le chargement, bah, la pièce ne supporte plus la charge et va rompre brutalement. Et cette rupture brutale, elle peut être soit ductile, soit fragile, en fonction du matériau qu'on a en présence ou de la température du matériau. Donc voilà. La fatigue, donc on se décompose en trois zones, hein, l'amorçage, ensuite la propagation et à la fin la rupture brutale. Le mécanisme d'amorçage, il va avoir lieu dans une zone critique de la structure, donc en général c'est des lieux de concentration de contraintes où ça va avoir lieu. Le mécanisme, c'est un cisaillement des plans cristallographiques qui vont créer des micro-fissures. Ces micro-fissures se propagent selon la direction des contraintes de cisaillement à l'échelle de quelques grains, vont coalescer pour former des macro-fissures. Par contre, ce qu'il faut noter, c'est que les macro-fissures se propagent toujours perpendiculairement à la contrainte maximale sur la pièce, donc la contrainte normale maximale. Donc dès que vous avez une pièce qui est cassée, vous savez dans quelle direction est la charge qui a induit cette rupture, puisque le chargement est toujours perpendiculairement à la faciès de rupture. Pour étudier la fatigue, vous avez différentes façons de faire. La première, c'est que je considère que dans ma pièce, j'ai un défaut. Donc, si j'ai un défaut, ce défaut peut être dû à la fabrication. Et ce que je vais faire, c'est que je vais considérer, en gros, ce que je vais regarder, c'est est-ce que ce défaut va se propager ou pas. Donc pour cela, on va utiliser la mécanique de la rupture. Donc si on est dans le domaine, on va dire, de l'élasticité, on va utiliser ce qu'on appelle la mécanique élastique linéaire de la rupture pour étudier le comportement de mon défaut, c'est-à-dire savoir s'il risque de se propager et s'il se propage, en combien de temps il va se propager. Donc ça, la mécanique, l'élastique linéaire de la rupture, on est dans le domaine d'élasticité de la pièce et en propagation importante. Si on n'a pas de défaut, on va regarder comment va s'amorcer ou peut s'amorcer une fissure et comment elle va on va dire, s'amorcer et se propager ou juste regarder l'amorçage. Donc en général, ce sont des pièces qui ne présentent pas de défaut au départ. Donc on a deux domaines de la fatigue. On l'a vu tout à l'heure sur la courbe de Wöhler. On a ce qu'on appelle les grandes durées de vie, donc au-delà de 10 puissance 5 cycles, et la partie faible nombre de cycles, qui est en dessous en gros de 10 puissance 4, 10 puissance 5 cycles. Donc la grande durée de vie, on est dans le domaine d'élasticité. Donc ma pièce est dans le domaine d'élasticité, hein. Tous les chargements sont inférieurs à la limite d'élasticité du matériau. Tandis que dans le domaine à faible nombre de cycles, on va être plutôt dans le domaine de la plasticité, puisqu'on va avoir un chargement qui peut dépasser la limite d'élasticité et on est dans le cas d'un cyclage en oligocyclique. Les différents types de ruptures. Donc, on va voir les faciès de rupture tout d'abord. Donc, sur les pièces qui ont vu des sollicitations de fatigue.
Donc, si on est sur des pièces métalliques, type acier, on va avoir des faciès de ce type. Donc, avec une partie lisse qui va correspondre à la zone de fatigue et une partie plus rugueuse qui va correspondre à la rupture brutale de la pièce. Donc, la zone de fatigue qui est ici, c'est une zone qui va être lisse. Alors, on ne le voit pas sur tous les matériaux, hein, sur certains matériaux type fonderie, etc. C'est beaucoup moins visible que ce que vous voyez ici. Mais on va dire sur des aciers laminés, etc., ça se voit très bien. Donc on voit ça à l'œil nu hein, ou à la loupe binoculaire si vous avez des pièces qui sont petites. C'est un faciès qui va être plutôt lisse et brillant. Et on peut voir aussi des fois des lignes qui vont correspondre à des arrêts ou reprises de chargement, c'est-à-dire des variations de chargement. On se voit pas sur toutes les pièces, hein, ça se voit que sur les pièces où il y a eu des modifications de chargement. Dans la zone de rupture brutale, donc qui correspond en réalité à la rupture sur le dernier cycle du chargement, donc là vous allez avoir une partie qui va être rugueuse. Et voilà qui vous définit que cette partie, donc c'est la fin de la rupture. Donc en fonction de la taille de la partie fatigue et de la partie rupture brutale, vous pouvez savoir si votre pièce est fortement chargée ou faiblement chargée vis-à-vis de sa tenue à la rupture brutale. Si la partie fatigue est très importante, ça veut dire que votre chargement est plutôt faible. Si vous avez une partie de rupture brutale qui est très importante, on va dire que votre chargement de fatigue est plutôt élevé. Donc les lignes d'arrêt dont je vous parlais tout à l'heure, ce sont des changements de régime de la machine. Donc soit ça peut être un arrêt prolongé de la machine et puis ensuite une reprise. Donc en fond de fissure de fatigue, vous allez avoir une légère corrosion. Donc ça va marquer le faciès. Soit vous avez des chargements avec des contraintes, on va dire, qui vont être différentes. Et donc, ça va aussi vous faire des marquages sur la pièce. Donc, ça, c'est des choses qu'on voit à l'œil nu hein, ou à la binoculaire. On peut, à partir, si on a des marques, des lignes d'arrêt sur un faciès, on peut savoir comment se propage la fissure, hein, puisqu'on voit que ça s'amorce ici, et puis ça se propage au fur et à mesure, comme ceci. Au niveau de l'amorçage des fissures, vous pouvez avoir ce qu'on appelle des lignes de crête. Donc, s'ils vont nous donner l'amorçage de la fissure assez facilement sur le faciès. Autre chose qu'on rencontre en fatigue, c'est ce qu'on appelle les street fatigues. Alors les street fatigues, on ne peut les voir que à gros grossissement, c'est-à-dire qu'on ne les voit que au microscope électronique à balayage. Elles sont toujours présentes dans une zone de fatigue. Donc quand une pièce est récupérée, qu'elle est un peu abîmée et qu'à l'œil nu, on n'arrive pas à deviner si c'est de la fatigue ou pas. On peut très bien la passer au microscope à balayage électronique et regarder si par hasard, dans les zones qui sont les moins abîmées, on ne voit pas des street fatigues. Donc, si on voit des street fatigues, hein, c'est caractéristique d'un chargement, d'une rupture par fatigue. Et ça indique une vitesse de propagation de fissure, hein, puisque la distance entre deux stries est dû à un cycle de propagation de fissure. Alors, tous les cycles de chargement ne propagent pas forcément la fissure, mais par contre, entre deux interstries, hein, c'est un cycle de propagation de fissure. Les principales causes d'amorçage qu'on peut rencontrer sur les pièces sont soit à l'extérieur, donc en surface, soit en interne. Donc, si elles sont à l'extérieur, ça va être des angles vifs, par exemple, des stries d'usinage, ça peut être des endroits potentiels de fissuration par fatigue, les coups d'outils,
donc sont dangereux, hein, il faut éviter d'en avoir. Tout ce qui est cric de rectification. Et puis une chose qu'il faut faire très attention, c'est les problèmes de marquage, donc coup de pointeau, les chiffres. Donc quand vous marquez vos pièces pour pouvoir les suivre en production ou après en service, essayez de mettre les marques aux endroits qui sont les moins chargés en fatigue, hein, parce que souvent on a des fissurations à partir de marquages sur les pièces. Autre défaut possible d'amorçage de fissures de fatigue, ce sont tous les défauts qu'on peut rencontrer en forge ou en fonderie qui sont des bouchons. Côté interne, bah c'est pareil, hein, ça va être des défauts de forge ou de fonderie, donc des replis de matière par exemple, des rotassures, des choses comme ça sont des lieux potentiels de fissuration en fatigue. Ou lorsque les matériaux sont pas homogènes, quand vous avez des ségrégations métallurgiques, vous pouvez aussi avoir des amorçages de fissures de fatigue à partir de ces ségrégations métallurgiques. Bon, ici deux petits exemples pour illustrer. Donc une fissuration à partir d'un fond de filet ici en haut, et puis en bas vous avez une fissure donc qui se propage le long de stries d'usinage. Hein. Donc on a une pièce qui est striée due à l'usinage, et vous avez la fissure qui va se propager le long donc des stries. Donc les faciès de rupture vont être différents entre les différents types de chargement. Donc lorsqu'on a de la traction-compression, donc toute la pièce va être uniformément sollicitée dans toute sa section. Donc vous pouvez aussi bien amorcer soit en surface, soit en interne. Donc lorsqu'on amorce en surface, on va avoir ici de l'amorçage, propagation dans l'épaisseur, et puis ensuite rupture brutale. Lorsqu'on amorce de l'intérieur, donc ça va être souvent dû à des défauts de process d'obtention du matériau. Donc ici vous avez des défauts à l'intérieur de la matière, amorçage à partir d'un défaut et propagation ici, dans toute la zone qui est lisse ici, et ensuite rupture brutale ici. Ce qu'il faut savoir, comme on a dit tout à l'heure, hein, que toutes les ruptures, les faciès de rupture sont perpendiculaires au chargement. Donc, en traction-compression, le plan de rupture va être perpendiculaire à l'axe de sollicitation de traction-compression. Donc ici, on vous a mis deux planches pour illustrer un petit peu les lieux potentiels de fissuration et la propagation des fissures. Donc la première ici, c'est un arbre lisse. Deuxième figure ici, c'est avec une concentration de contraintes. Et ici, vous avez à nouveau une autre concentration de contraintes plus importante. Donc une entaille ici avec un rayon et une entaille avec un très très petit rayon. Donc lorsqu'on est sur un arbre lisse, qui est la figure qui est ici, vous avez l'amorçage en surface et propagation dans l'épaisseur avec en forme de semi-ellipse. Lorsque vous avez une entaille, vous allez avoir pareil avec une ellipse qui va être un peu plus plane. Et lorsqu'on a une forte concentration de contraintes, par exemple un fond de filet, vous allez avoir plusieurs amorces de fissures ici en fond de filet et puis propagation, cette fois-ci en ellipse inversée, jusqu'à la rupture brutale. Donc ça, c'est le cas d'une pièce cylindrique. En dessous, vous avez la même chose pour une pièce parallépipédique, donc amorçage ici en surface, propagation. Lorsque vous avez une concentration de contrainte, en général, vous avez démarré dans les coins, dans tout ce qui est perpendiculaire, parallépipédique, pardon, et propagation à partir d'un coin. Et puis lorsque vous êtes très avec des fortes concentrations de contrainte, vous allez amorcer sur les quatre coins et donc vous allez avoir une rupture brutale au centre. La figure d'en dessous, c'est présence d'un trou dans la pièce ou pas. Donc pas de trou, présence d'un trou ici dans la pièce.
À gauche, vous avez donc un chargement qui est, on va dire, faible, donc avec une grande partie en fatigue et une petite partie ici en rupture brutale. Et à droite, vous avez un chargement qui est élevé, avec une petite partie ici en fatigue et une grande partie ici en rupture brutale. Autre type de sollicitation qu'on peut rencontrer, c'est tout ce qui est flexion plane. Donc la flexion plane va aussi nous induire des chargements dont le maximum va se retrouver en surface. Donc l'amorçage va avoir lieu sur la fibre la plus tendue. Et on va avoir développement en arc de cercle qui vont s'aplatir au fur et à mesure de la propagation de la fissure. Donc lorsqu'on est en chargement plane répété, c'est-à-dire qu'on va aller par exemple de plus à zéro, zéro plus, on n'a qu'un seul lieu potentiel de fissuration ici, et puis propagation ici dans l'épaisseur jusqu'à obtenir ici la rupture brutale. Si on est en chargement alterné, donc R-1, on a risque de fissuration des deux côtés puisque les deux fibres sont tendues de la même façon. Donc amorçage de deux fissures, propagation de ces deux fissures dans l'épaisseur et rupture brutale au centre ici. Donc même planche qu'on a vu tout à l'heure pour la traction, mais cette fois-ci pour la flexion. Donc ça se ressemble beaucoup, hein. Vous avez amorçage ici en surface, propagation en forme de semi-ellipse et puis rupture brutale. Lorsque vous avez une concentration, hein, vous avez pu avoir, comme tout à l'heure, on avait vu un peu de multi-amorçage ici tout autour. Ici, vous allez voir qu'un seul endroit, puisque vous n'avez qu'une seule fibre qui va être sollicitée au maximum, hein, donc un seul amorçage et propagation en semi-ellipse inversée jusqu'à la rupture brutale. Bon, ici, vous avez pour les pièces paraépipédiques et puis en présence d'un trou, chargement faible, on va dire, et chargement élevé. Autre type de sollicitation, la flexion rotative. Donc la flexion rotative, c'est une pièce qui tourne avec un poids à l'extrémité. Donc c'est typiquement le balourd sur les axes. Donc le maximum de contraintes, vu qu'on est en flexion, va se retrouver aussi en surface. Toutes les génératrices de masse surface vont être sollicitées à chaque tour, puisqu'on tourne, et donc on peut amorcer en n'importe quel point de la surface. Et vous allez avoir amorçage de cette fissure et propagation en arc de cercle semi-elliptique qui vont être inclinés en sens opposé à la rotation. Donc vous allez avoir amorçage quelque part sur la surface, propagation comme ceci, et l'orientation de la propagation de la fissure va être orientée en fonction du sens de la sens de rotation de la pièce. Et puis ensuite, rupture brutale. Donc si vous n'avez pas de concentration de contrainte, vous allez avoir amorçage en un seul point et propagation à partir de ce point-là jusqu'à la rupture brutale. Si vous avez par contre une pièce avec une concentration importante, vous avez risque d'amorcer n'importe où tout autour de la périphérie, puisque toute la périphérie voit exactement le même niveau de contrainte. Donc risque d'amorçage un peu partout. Donc si vous avez amorçage un peu partout, vous allez avoir propagation de la fissure à partir de tous les points d'amorçage. C'est ce qu'on voit ici, hein. Tout ce qui est lisse ici, c'est de la propagation de fissure en fatigue. Et vous allez avoir une rupture brutale qui va être concentrée ici au centre. Donc entre deux lieux d'amorçage, on voit ici ce qu'on appelle des lignes de crête, donc qui sont en fin de compte deux plans de fissuration ici à partir de la surface. Donc même planche que tout à l'heure, pour la traction et pour la flexion plane, vous allez avoir donc sur pièce lisse, amorçage en un point et propagation.
La propagation qui est orientée en fonction du sens de rotation. Lorsque vous allez avoir une forte concentration de contraintes, hein, vous allez avoir multi-amorçage tout autour et rupture brutale au centre. Donc, peu de rupture brutale par rapport à la fatigue si vous êtes faiblement chargé et une surface importante de rupture brutale par rapport à la fatigue si votre chargement est élevé. Dernière sollicitation qu'on va voir, c'est la torsion. Donc la torsion, c'est pareil. Le maximum de contraintes a lieu aussi en surface. Vous allez aussi donc amorcer à partir de la surface et vous allez avoir une propagation de la fissure qui va être suivant une hélicoïde inclinée à 45 degrés hein, de l'axe de torsion, puisque la contrainte maximale en torsion se trouve dans le plan à 45 degrés par rapport à l'axe de torsion. Vous pouvez avoir différents types d'amorçage, soit dans le sens long de votre pièce, soit dans le sens travers de votre pièce. Donc ça va dépendre un petit peu de l'élaboration du matériau et du fibrage, on va dire, du matériau. Si votre fibrage est dans le sens parallèle, vous allez amorcer dans le sens parallèle. Par contre, vous allez toujours propager à 45 degrés. Si le fibrage est comme ceci, dans le sens travers, bah vous allez amorcer dans le sens travers et puis vous propagez à 45 degrés. Si vous avez la torsion dans un seul sens, donc 0 plus par exemple, vous allez avoir une seule hélicoïde, comme ceci. Si vous avez, votre pièce est sollicitée en R-1, donc R dans un sens et dans l'autre, vous pouvez avoir deux hélicoïdes. La dernière figure qui est ici, hein, c'est la présence d'un trou, donc avec risque d'amorçage ici à quatre endroits au bord du trou et la propagation à partir du bord du trou. Donc voici deux petites photos pour illustrer ce que je viens de dire. Donc la torsion répétée dans un seul sens, donc avec une seule fissure inclinée à 45 degrés. Donc ici vous avez la fatigue et ici la rupture brutale. Et puis la torsion alternée où vous avez ici deux fissures en présence, donc une ici et une ici. Bon là on a la chance d'avoir une belle photo, puisque c'est un essai qui a été fait sur une machine d'essai et qui a été arrêté à temps avant que toutes les pièces ne volent et ne s'abîment. Donc on voit bien la croix. Sur les pièces réelles en service, vous verrez rarement ce type de rupture, hein, parce que en général, ça se mate assez facilement, c'est-à-dire que les surfaces vont se frotter les unes contre les autres et on ne verra pas grand-chose. En torsion, si on est en présence d'un arbre épaulé ou entaillé, et donc votre fissure elle va rester à l'intérieur de l'entaille, c'est-à-dire qu'elle ne va pas sortir comme on a vu précédemment à 45 degrés, elle va être concentrée. Par contre, ce qu'on remarque, c'est qu'elle va se propager en forme de zigzag. Donc, on va avoir un effet de toit sur le faciès de rupture. Donc, on va avoir ici un effet de toit sur le faciès de rupture, ça se voit bien, hein. Et puis la rupture brutale ici au centre. Bon, là, un petit exemple pour illustrer. Donc là, c'est un petit peu amplifié dû à la géométrie de la pièce, puisque vous avez une forte concentration de contraintes due au fait que vous avez deux sections qui sont très différentes les unes par rapport aux autres. Et deuxièmement, vous avez ici la présence de dents, d'engrenages, ce qui fait que ça amplifie le phénomène d'effet de toit. Donc là, on voit bien un effet de toit hein, qui est amplifié par la géométrie de la pièce. Et ici, au centre, la rupture brutale, ici. Bon, là, c'est pareil, hein, c'est une pièce qui a été testée sur une machine d'essai et qui a été arrêtée en réalité avant qu'elle casse.
C'est pour ça qu'on voit très bien l'effet ici de toi. Côté conception, donc comment est-ce qu'on va concevoir les pièces en fatigue? On a besoin d'un certain nombre de données pour pouvoir concevoir des pièces vis-à-vis de sollicitations cycliques. Donc on a besoin de trois choses. Déjà de connaître la géométrie de la pièce. Hein. Donc sans géométrie, on ne fait rien. Deuxième volet, c'est le chargement. Donc pour pouvoir faire un calcul, on a besoin de connaître les chargements. Et le troisième volet, ensuite, ça va être le matériau. Donc côté géométrie, bah, on a besoin de connaître les dimensions de la pièce. Hein. Côté chargement, en général, on va se baser pour établir des chargements de conception en fonction de mesures ou en fonction de bibliographie ou de connaissances sur d'autres pièces précédentes. Donc, on peut obtenir vis-à-vis de mesures. Donc, vous avez un petit exemple ici d'obtention de mesures. Donc, sur une voiture, on peut équiper les roues avec des roues dynamométriques, des capteurs d'effort, des jauges de déformation, et puis obtenir des informations à partir de mesures pour ensuite avoir, on va dire, construire des chargements pour pouvoir faire du dimensionnement. Quand on fait des mesures, il faut faire attention à ce qu'on mesure, de bien mesurer au maximum tout ce que voit la pièce, donc d'être sûr que les mesures qu'on obtient pour pouvoir ensuite construire un chargement de conception est représentatif de ce que voit réellement la pièce. Donc c'est pas aussi simple que ça, à partir de mesures, d'établir un chargement de conception. Donc on peut utiliser des mesures faites à des endroits déjà prédéfinis. Donc par exemple pour les voitures, hein, vous avez des circuits déjà préétablis où vous allez rencontrer un certain nombre d'obstacles, etc., qui vont vous déterminer des chargements. Et qu'ensuite on va recombiner pour faire un chargement de conception. Côté matériaux, on a besoin de connaître comment a été obtenu le matériau. Donc derrière les courbes de Wöhler, il y a tout ce qui est matériaux proprement dit, mais aussi la façon dont on l'élabore. C'est-à-dire que l'élaboration du matériau va induire des différences entre deux élaborations différentes du même matériau. Vous n'allez pas forcément avoir la même tenue en fatigue. Donc derrière tout ce qui est courbe de fatigue, hein, vous avez process matériau qui est pris en compte. Hein. Vous n'avez pas que le matériau pur et dur. Donc pour pouvoir faire de la conception, on peut soit avoir besoin d'une courbe de Wöhler si vous avez besoin de connaître sa tenue dans tout le domaine en nombre de cycles, donc si vous faites par exemple du cumul de dommages, ou simplement on peut avoir besoin d'une limite d'endurance lorsqu'on va avoir simplement à savoir si ma pièce elle tient ou pas à une valeur donnée. Donc pour faire du calcul, la première étape, avant de faire un calcul en fatigue, on fait souvent un calcul statique à partir de la géométrie, du chargement et du matériau en question. Pour valider, voir déjà si statiquement la pièce elle tient ou pas. Ensuite, on fait une vérification à la fatigue. Donc c'est le process habituel du dimensionnement en fatigue. Hein. On passe d'abord par un calcul statique et ensuite par un calcul en fatigue. Le calcul de fatigue est souvent basé sur le calcul statique, mais on va ensuite utiliser les courbes de Wöhler ou les limites d'endurance pour pouvoir établir ces calculs.
En sortie, on va avoir soit une durée de vie, soit un chargement admissible. Donc, c'est soit votre entrée, c'est un chargement et vous allez en déduire une durée de vie, soit je vais me dire, bah, ma pièce, il faut qu'elle tienne tant de cycles et ce que je cherche, c'est un chargement admissible. Et pour valider ces calculs, on peut très bien ensuite faire des essais et regarder si mes essais correspondent par rapport à ce qu'on a obtenu par calcul. Donc voilà, on peut très bien valider nos calculs par un essai, ce qui est souvent fait, on va dire, dans le domaine de l'automobile ou dans d'autres domaines, hein, où vous allez d'abord faire une conception ici en fatigue et ensuite vous allez vérifier sur une ou deux pièces que les chargements que vous avez considérés et la façon dont vous avez fait vos calculs sont valides vis-à-vis d'une pièce. Donc on fait ça sur des pièces poteaux par exemple. Donc en conclusion, on peut dire que la fatigue, c'est un processus qui, sous l'action de chargement variable dans le temps, modifie le comportement du matériau et va former des fissures jusqu'à la rupture. La résistance en fatigue est inférieure à la résistance à la rupture du matériau, mais aussi peut être inférieure à la limite d'élasticité du matériau. Hein. Ce n'est pas parce que vous avez dimensionné une pièce en statique sous une limite d'élasticité que si vous êtes en présence de chargement cyclique, vous n'avez pas de risque de rupture par fatigue. Donc vous n'êtes pas à l'abri, hein, par un simple calcul statique, de vous préserver de la partie fatigue. Donc c'est souvent, on va dire, une donnée dimensionnante lorsque les pièces subissent des chargements cycliques. Les différentes étapes en fatigue vont être donc l'amorçage de fissures, la propagation de fissures et qui vont conduire jusqu'à la rupture finale. La représentation du comportement en fatigue, en général, c'est la courbe de Wöhler. On peut aussi représenter le comportement en fatigue hein, par une seule valeur à un nombre de cycles donnés. Voilà. Et puis, il faut savoir qu'à partir d'un faciès de rupture, il est possible de déterminer le type de chargement et puis avoir une idée du niveau de chargement. Donc, ce qui est très intéressant lorsque vous avez des ruptures en service, c'est de récupérer les pièces cassées. Bon, ce qui est, voilà, ce qui est pas toujours facile, hein. Des fois, c'est compliqué de récupérer des pièces cassées, mais c'est toujours très intéressant pour comprendre pourquoi elles ont cassé, de bien les analyser, et ça peut vous aider à reconcevoir une pièce, parce qu'en comprenant ce qui s'est passé, on voit où sont les erreurs, et ça nous aide pour une reconception. Ou ça peut aider aussi à savoir si c'est un cas exceptionnel, c'est-à-dire que bon, cette pièce-là, elle a subi un chargement qui est exceptionnel et c'est pour ça qu'on a une rupture, ou si c'est quelque chose qui peut être récurrent, c'est-à-dire que c'est la première d'une série. C'est la première pièce qui casse, mais en fin de compte, comme toutes les autres pièces qui sont dans la nature voient exactement la même chose, ben, les autres peuvent avoir exactement le même problème. Donc c'est toujours très intéressant d'analyser des pièces qui sont cassées en service. Donc pour finaliser, si vous voulez en savoir un peu plus sur la fatigue, donc Constitim, on vous propose un certain nombre de stages, donc en présentiel ou en virtuel. Donc vous avez le M49 qui est la fatigue des matériaux et structures qui sont sur les généralités. Donc on va rentrer un peu plus en détail par rapport à ce que je vous ai présenté là en 1 heure sur la fatigue. Donc c'est sur 2 jours hein, cette formation-là. Ensuite on a une autre formation qui est le M40 qui est le panorama de la fatigue des matériaux et des structures. Donc qui est une formation qui dure 1 semaine. Donc sur 4 jours entiers, et qui là va être aussi
Donc ça va être les généralités et puis en plus de ça, vous verrez tout ce qui est assemblage soudé, boulonné, collage, tout ce qui est composite et puis tout ce qui concerne les engrenages. Pour tout ce qui est partie dimensionnement, à partir de calcul aux éléments finis, vous avez le M48, donc qui est l'analyse en fatigue à partir de calcul aux éléments finis. Et si vous êtes plus intéressé pour tout ce qui a tenu en fatigue des assemblages soudés, vous avez le T51. Donc le M48 et le T51, c'est aussi des formations qui sont faites en 2 jours. Bon, il faut que vous sachiez voilà, qu'au CETIM, vous allez retrouver un certain nombre d'informations dans la mécatech, donc qui sont accessibles à tout le monde ou pour certains d'entre vous aux cotisants du CETIM. Et voici toutes les informations qu'on peut retrouver au CETIM. Je vous remercie pour votre attention. Merci pour cette présentation. Donc, on va passer aux questions. Je rappelle aux participants que vous pouvez les poser dans le chat. Il n'est pas possible de les poser à l'oral. Donc, on va répondre aux questions qui ont été posées déjà, mais il y en a deux auxquelles je vais répondre rapidement. Il y en a qui demandent si c'est possible d'avoir le support. Donc, il n'est pas envoyé automatiquement aux participants qui se sont inscrits. Mais par contre, vous pouvez peut-être le demander directement au CETIM. Alors, sur cette diapo-là, ça ne s'affiche pas. Je pense que c'est tout en bas et comme elle est un petit peu tronquée, on ne voit pas les informations. L'adresse mail du CETIM, c'est sqr, donc service question-réponse, sqr@cetim.fr. Et donc, vous pouvez peut-être leur demander directement pour ceux qui voudraient avoir le support. Et une autre question auxquelles vous pourrez répondre rapidement, Madame Uther, y a-t-il des sessions webinaires plus orientées matériaux composites à matrice organique, non métallique et non céramique? Vous avez de la fatigue au CETIM, non. Ok. Après, on peut faire des formations, on va dire, en particulier, c'est-à-dire on peut faire des intras, ce qu'on appelle des intras, c'est-à-dire discuter avec l'industriel et orienter vraiment une formation, mais on n'en a pas au catalogue. C'est-à-dire la construire avec l'industriel, avec les différentes personnes au CETIM qui ont la connaissance, mais c'est vraiment quelque chose de ciblé pour une entreprise, mais à l'instant T, il n'y a pas de formation, on va dire, au catalogue. Ok, merci. On va passer aux questions un peu plus techniques. Une première qui avait été posée. À votre connaissance, existe-t-il des pièces qui voient un chargement de service à air fixé? Alors, il y a des chargements à amplitude constante, donc pour des rapports de charge fixes et à amplitude constante, c'est par exemple tout ce qui est axe. Donc les axes, en général, un axe d'un moteur ou quelque chose comme ça, va avoir un chargement qui est toujours le même. Mais c'est les rares cas où on va avoir un chargement à amplitude constante. En général, on est plutôt de l'amplitude variable et pas forcément des rapports de charge qui sont constants. D'accord, merci. Pour revenir sur la question sur le support qui est envoyé ou pas, si le support n'est pas envoyé automatiquement, par contre, le replay sera disponible sur la chaîne YouTube de Technique de l'ingénieur. Donc, ceux qui voudraient re-regarder ce webinaire le peuvent. Donc, il y a quelqu'un qui demandait, qui disait qu'il avait raté quelques captures d'écran. Vous pourrez revoir le webinaire. Il sera en ligne d'ici 2 jours maximum, je pense, donc sur la chaîne YouTube de Technique de l'ingénieur. Donc, pas de problème, vous pourrez faire des nouvelles captures d'écran si vous souhaitez avoir les informations sur votre ordinateur. Quelqu'un d'autre posait une question. Pourquoi un tube soudé E24 se casse au niveau de rayon lors de galvas à chaud avant fatigue? Il faut savoir que la galvanisation fragilise en fin de compte votre pièce. Et donc vous allez avoir une tenue en fatigue. Si vous avez la pièce non galvanisée, vous allez avoir une tenue en fatigue qui est plus élevée avant galva que si vous la galvanisez. Donc la galvanisée va vous faire chuter la tenue en fatigue de votre pièce. Le rayon, c'est l'endroit où vous avez le plus de concentration de contraintes. Donc le risque de fissuration va avoir forcément lieu dans le rayon.
puisque c'est là où votre contrainte est la plus élevée, due au chargement. Et comme vous avez de la galva qui est déposée à ce niveau-là, vous avez une tenue en fatigue qui est encore plus faible que si vous n'aviez pas la galva. En général, on peut dire qu'on va avoir entre 10 à 20% de chute sur la tenue en fatigue, donc sur la contrainte admissible après galva. Une autre question, dans le cas de matériaux composites à matrice organique, où la matrice organique joue le rôle de colle, quel mécanisme et quel descripteur des lois de comportement à la fatigue deviennent pertinents? Par exemple, composite élastomère, composite plastique, etc. Alors, tout ce qui est composite à matrice, vous avez différents types de fissurations. Alors, c'est pas trop mon domaine. Je suis plus métallique, moi, personnellement. Vous allez avoir un endommagement de la matrice souvent avec ou alors, si vous avez des renforts, vous allez avoir les renforts qui vont casser au fur et à mesure. Donc, vous avez un endommagement qui est très très long, on va dire, avant d'avoir la rupture. Par rapport au, on va dire, vous n'avez pas ce qu'on appelle de phase d'amorçage comme on a dans le métallique. Vous allez avoir un endommagement qui va être très très long avec des petites fissures qui s'amorcent un peu partout. Et puis ensuite, vous allez avoir la rupture de la pièce. Donc, c'est la différence entre métallique et composite. C'est-à-dire que dans le métallique, en général, vous allez avoir une phase d'amorçage qui est assez longue et une propagation qui va être plutôt courte. Et dans le cas des composites, vous allez avoir, on va dire, une amorce de fissure qui va avoir lieu très rapidement, soit dans la matrice, soit dans certaines fibres. Mais vous allez avoir une propagation qui va être très, très longue avant la rupture, brutale de votre pièce. D'accord, merci. Une question suivante. Quels sont les moyens pour déceler suffisamment tôt l'amorçage d'une fissure dans une pièce afin de la remplacer avant sa rupture? Alors, l'amorçage, on ne peut pas le détecter, hein. On va toujours détecter une fissure. Donc, la seule façon de détecter quelque chose, c'est une fissure. La seule chose, voilà, c'est qu'on peut, sur certaines pièces, détecter des fissures bien avant qu'elle ne la pièce ne casse. C'est-à-dire qu'avec une petite fissure, votre pièce, elle est toujours, on va dire, opérationnelle. Et c'est simplement lorsqu'elle aura atteint une certaine longueur que vous risquez de casquer. Mais l'amorçage, en gros, c'est, on va dire, on ne peut pas le détecter. On va détecter la présence d'une fissure par un contrôle, par un moyen de contrôle qui peut être des ultrasons. On peut être aussi avec des reçuages pour du visuel ou des choses comme ça. Voilà. Après, ce qu'on peut faire, c'est faire de l'enregistrement de charge. Puis compter entre guillemets le nombre de cycles et par rapport à des calculs que vous avez faits précédemment, vous dire bon bah si ma pièce a vu tant de cycles de chargement, bah j'arrête parce que je suppose qu'elle peut avoir amorcé une fissure. Ok, merci. Une question un petit peu longue. Lorsque l'on cherche à déterminer une durée de vie en fatigue, on travaille généralement en contrainte principale. Néanmoins, dans l'industrie, on retrouve souvent des chargements multi-axiaux. On parle souvent de la recherche des plans critiques qui maximisent finalement le chargement max-min perpendiculaire au plan en question. On peut alors calculer un endommagement selon ce plan. Néanmoins, si l'on cherche à déterminer la zone où l'initiation est la plus probable, on comprend avec cette présentation que le cisaillement proche de la surface est de première importance. Que pensez-vous de l'utilisation de critères qui mêlent le cisaillement dans le plan critique et la contrainte normale au plan Findlay afin de déterminer la zone en surface la plus susceptible de fissurer? Alors, en multi-axial, donc en général, c'est quand dans la pièce, votre chargement à l'endroit où vous faites votre calcul, la direction varie dans le temps. Donc, c'est-à-dire que c'est pour ça qu'on va travailler en multi-axial et pas en uni-axial comme tout ce que je viens de présenter, hein. C'est-à-dire que lorsque votre pièce subit les différents cycles de fatigue, de l'extérieur, à l'endroit où vous calculez, vous avez votre chargement en contrainte. La contrainte principale, on va dire, dans le temps, va changer de direction. Donc, c'est pour ça qu'on va travailler en pression hydrostatique et en taux de cisaillement. C'est parce qu'en réalité, au cours du chargement, votre direction n'est jamais la même.
Et c'est pour ça qu'on intègre les deux phénomènes, la pression hydrostatique et le cisaillement. C'est parce que votre chargement tourne, on va dire, dans le temps et la direction n'est jamais la même. C'est pour ça qu'on travaille avec ces deux grandeurs-là. D'accord, merci. Quelqu'un signale une petite coquille diapo 13. Enfin, peut-être que ce sera pour corriger pour une prochaine fois. Le R sigma égale plus l'infini et pas moins l'infini. Oui, ça j'ai vu. Mais c'est des coquilles qui sont restées parce que, on va dire, en les envoyant au CTIM, etc., il y a eu des. Comment ça s'appelle? Les symboles ont été un peu perturbés et donc on a corrigé deux fois et il y en a un qui est passé à travers. Bon, ce sera Les corrigé pour la sigma prochaine s'était transformé en S, etc. On a corrigé, mais il y en a un qu'on a dû louper. fois. Une autre question. Comment peut-on caractériser la sévérité des conditions de service vis-à-vis de la fatigue dans le cadre de sollicitations très variables? Exemple, pièce soumise à un gradient de température variable à partir des données de température réelle. Vous voyez, répétez, s'il vous plaît. J'ai Oui. loupé le début. Comment peut-on caractériser la sévérité des conditions de service vis-à-vis de la fatigue dans le cas de sollicitations très variables? Et donc, comme exemple, pièce soumise à un gradient de température variable à partir des données de température réelle. Alors, quand c'est. Alors, ça dépend de la température, parce que la température, c'est soit vous avez des variations de température qui vont vous induire un chargement mécanique. Donc là, on va le rentrer comme chargement mécanique. Donc en gros, c'est un chargement comme un chargement, on va dire, mécanique. Ou alors après, ça peut être aussi. La température, on peut l'avoir sous deux angles, hein. Soit elle introduit un chargement mécanique. Et en plus. Elle va modifier, si les températures sont élevées, elle peut aussi modifier la tenue, on va dire, intrinsèque du matériau. C'est-à-dire que le matériau à température ambiante va avoir une certaine tenue. Et si vous sollicitez le même matériau sous un chargement mécanique à une température beaucoup plus élevée, sa tenue en fatigue est plus faible due à la température. Donc les variations de température vont jouer sur le fait qu'à cette température-là, le matériau a une tenue plus faible, mais aussi induisent un chargement mécanique. Et donc ça, c'est pris en compte la température, on va dire, côté matériau, c'est pris en compte par des coefficients d'abattement par rapport à la température ambiante. Après, si c'est la variation qui introduit un chargement mécanique, ben vous allez introduire un chargement mécanique supplémentaire. D'accord, merci. Une autre question. Quelle est la démarche pour passer d'une évaluation de durée de vie sous R égale 0 à partir d'une courbe matériau en R égale moins 1? Alors, pour changer de rapport de charge, vous êtes obligé de passer à travers ce qu'on appelle les diagrammes de Goodman ou de Hegg, qui vous donnent, en fin de compte, ce sont des diagrammes où vous allez avoir l'amplitude de contrainte en fonction de la contrainte moyenne. Et donc, à partir de la contrainte moyenne que vous avez sur votre chargement, vous allez en déduire à travers cette droite l'amplitude admissible pour le chargement, l'autre chargement. Voilà, c'est des courbes qui sont sigma A en fonction de sigma M, donc amplitude de contrainte en fonction de la contrainte moyenne. Et donc le rapport de R, c'est la même chose, hein. Vous pouvez le traduire en contrainte moyenne. Et donc à partir d'une contrainte moyenne, vous pouvez en déduire l'amplitude de contrainte admissible, donc changer de rapport de R pour pouvoir passer de l'un à l'autre. Donc vous passez à travers un diagramme de Hegg ou de Goodman. Merci. Une autre question, interrogation plutôt. Les faciès présentés en traction, compression et flexion plane me semblent identiques sur cylindre et donc il y a des points d'interrogation. Excusez-moi, je sais pas. Les faciès présentés Entre traction et flexion, c'est ça? en traction, compression et flexion plane. Alors, ils sont très, très semblables, hein. C'est pas facile de faire la différence entre de la flexion plane ou de la traction.
La seule chose qu'on peut dire entre traction et flexion plane, c'est qu'en général, en traction, on a plutôt tendance à se propager en profondeur et que en flexion plane, on a plutôt tendance à se propager un peu plus en surface plutôt qu'en profondeur. Mais c'est la seule différence, on va dire, entre traction, compression et flexion plane. C'est-à-dire que voilà, si vous regardez tout le faciès, entre l'un et l'autre, l'un va plutôt avoir tendance à se propager en profondeur et un peu moins en surface, et l'autre va plutôt avoir tendance à se propager un peu plus en surface et un peu moins en profondeur. Mais il n'y a pas une grosse différence entre l'un et l'autre. D'accord, merci. Je précise, je ne l'ai pas redit à l'oral, mais j'ai noté dans le chat l'adresse mail à laquelle vous pouvez joindre le CETIM. Donc, comme elle n'était pas affichée et que je l'avais dit à l'oral, mais certains n'avaient pas eu le temps de noter. Voilà, donc vous l'avez dans le chat, vous pouvez la recopier, faire un copier-coller. Et vous pouvez continuer à poser vos questions, il y en a encore quelques-unes, hein, mais comme on a une session questions-réponses jusqu'à 11h30, n'hésitez pas à poser toutes vos questions. Alors, la question suivante. Quelle est l'influence des pièces soumises? Alors, je ne sais pas s'il y a un bug dans la question parce qu'il y a un slash avec le même mot. Quelle est l'influence des pièces soumises à des variations non seulement mécaniques, mais également thermiques? Alors, variation, c'est ce que je disais tout à l'heure, variation thermique et variation mécanique, vous allez combiner les deux. Donc, en général, on fait les calculs en combinant les deux en même temps. Donc, on se approche un peu spécifiques, c'est ce qu'on appelle la thermomécanique. Hein. On va combiner l'un et l'autre et utiliser des courbes. En général, on travaille avec des courbes qui ont été établies en oligocyclique. Donc, ce sont des courbes, on va dire, déformation en fonction du nombre de cycles et qui sont établies pour différentes températures. Et c'est à partir de ces courbes déformation en fonction du nombre de cycles à différentes températures qu'on fait les calculs en thermomécanique. Une autre question. Vous avez dit que le faciès de rupture dépendait du chargement faible élevé. Vous parlez de la contrainte moyenne ou l'amplitude de contrainte? Alors, chargement élevé, c'est la contrainte maximale. Donc, c'est la combinaison entre l'amplitude et la contrainte moyenne. C'est-à-dire, en réalité, ce qui va vous casser la pièce en deux, c'est la contrainte max du chargement. Donc, c'est la contrainte moyenne plus l'amplitude qui va vous donner la charge à rupture. Donc, si votre contrainte moyenne est élevée et que vous avez une amplitude donnée, pour cette même amplitude et une contrainte moyenne plus faible, bah, ça va être le maximum en fin de compte qui va vous donner la partie de rupture brutale la plus grande. Merci. Une question suivante. Est-ce que la cémentation est un bon procédé pour limiter le risque de fissuration? Alors, ça dépend comment est chargée votre pièce. Si elle travaille en flexion, oui, parce que c'est un procédé, on va dire, superficiel. Par contre, si elle travaille en traction, ça va rien vous amener, puisque vous allez avoir risque de fissuration en sous-couche, puisque le matériau au centre va avoir la même tenue que si vous ne l'avez pas traité. D'accord, merci. Une autre question, les méthodes de calcul dans le domaine oligocyclique sont-elles fiables? Ça dépend. Normalement, elles sont fiables. Ça dépend un petit peu des données que vous avez et puis comment vous calculez. Hein. Voilà, tout dépend des données d'entrée. Donc oui, on peut faire des calculs avec les courbes oligocycliques. Après, il faut savoir ce qu'on rentre et comment ce qu'on les approximations qu'on fait. Parce que de toute façon, quand on fait les calculs, on fait toujours des approximations. Et c'est là où, en général, on a des différences entre la réalité et le calcul.
Une autre question. Alors, la personne précise que c'est par rapport à la slide 13. Dans le cas d'essais en fatigue de type oligocyclique, on travaille généralement en analysant le rapport de déformation et non de contrainte. Comment distinguez-vous alors ces chargements vis-à-vis des zones abordées à contraintes répétées, alternées, et donc entre parenthèses, R inférieur à 0, R égale 0 et R supérieur à 0? C'est pareil, le R, là, je vous l'ai montré sur un chargement en contrainte en fonction du nombre de cycles, du temps, je veux dire. Mais si votre chargement est en déformation en fonction du temps, les définitions des R, donc pas du ratio des contraintes, mais du ratio des déformations, c'est le même, hein. Quand on part de R epsilon égale moins 1, c'est sigma min. Est égal à la valeur sigma max pardon epsilon max pardon égale à la valeur absolue du sigma min. C'est les définitions sont les mêmes en aussi bien en epsilon qu'en sigma. Une autre question, y a-t-il des règles spécifiques pour le domaine cryogénique, moins 163 degrés, ou le domaine proche de 1100 degrés Celsius en sidérurgie par exemple? Alors, la fatigue, c'est la même chose. La seule chose, c'est qu'il faut que vous ayez les courbes obtenues à ces températures-là. Donc, on sait que la tenue en fatigue, plus on descend la température, est meilleure qu'à température ambiante. Donc, à moins 163 degrés Celsius, on va avoir une tenue en fatigue sur les aciers qui arrivent à ce niveau-là. Donc, en fatigue, hein, je parle bien, qui est meilleure qu'à l'ambiante. Alors, ce qui est pas, par contre, vous avez un risque de rupture brutale qui est beaucoup plus important à faible température qu'à forte température. Mais la tenue en fatigue est meilleure à faible température qu'à température ambiante. Lorsqu'on va dans le domaine à chaud, là, par contre, ça dépend du type de matériau que vous avez. Par exemple, les aluminiums, on sait qu'à partir de 100 degrés, les caractéristiques en fatigue diminuent. Elles sont moins bonnes qu'à température ambiante. Sur les aciers, on va plutôt les perdre aux alentours de 300 degrés, 300-400 degrés. Et puis, si vous avez des bases nickel, à ce moment-là, vous allez perdre les caractéristiques à des températures plus importantes. Donc, c'est pour ça qu'en général, quand on travaille à des températures de 600-700 degrés, on utilise plutôt des bases nickel que des aciers, parce qu'on sait très bien que l'acier ne tiendra pas. Une autre question, quel est l'impact du K1C sur la fatigue? Alors, le cas 1C n'intervient que lorsque vous avez une fissure de fatigue qui est présente. Donc, lorsque votre fissure de fatigue apparaît, à ce moment-là, la rupture brutale va apparaître lorsque notre K1, donc notre facteur d'intensité de contrainte en fond de fissure, va atteindre le cas 1C. Donc, c'est un critère de détermination de la rupture brutale. Donc, en gros, sur les faciès qu'on voyait, la partie rupture brutale est due au fait que le K1 en fond de fissure atteint le K1C. Donc, ça n'intervient qu'en présence d'une fissure, le K1C. Ça n'intervient pas pour la partie amorçage. Question suivante. Si on dispose de quelques courbes de Wöhler à contrainte moyenne fixée, est-il possible d'en déduire par calcul une courbe de Wöhler pour n'importe quelle contrainte moyenne? Oui, à travers le diagramme de Hegg, on peut y arriver. D'accord. Une autre question. Est-il possible de déterminer le nombre de cycles de sollicitation à partir des résultats éléments finis pour un spectre de vibration? Alors, quand on est dans le domaine spectral, pour la fatigue, il faut revenir dans le domaine temporel. Donc, il faut absolument repasser dans le domaine temporel pour pouvoir faire les études en fatigue. Donc, c'est possible, hein. Alors, si vous avez du côté vibration le temporel, il n'y a pas de souci. Vous pouvez basculer directement en fatigue. Si dans le domaine vibration, vous n'avez que la partie spectrale, il faut faire un certain nombre d'hypothèses pour pouvoir transformer le spectral en historique de charge. Donc, il faut absolument revenir à de l'historique de charge pour pouvoir faire une étude en fatigue.
D'accord, merci. Une autre question, vaut-il mieux utiliser des pièces forgées plutôt que moulées pour mieux résister à la fatigue? Ça dépend des défauts, ça. Ça dépend des défauts et ça dépend du fibrage. Voilà, la pièce forgée, elle va mieux tenir si vous la sollicitez dans le sens long du fibrage que dans le sens travers. Donc voilà, si vous êtes capable dans la zone incriminée d'avoir la fibre dans le bon sens, bah, la forge la tiendra bien. Le moulé, bah, ça dépend du nombre de défauts que vous pouvez avoir dans la pièce. Donc voilà, il n'y a pas de règle en disant que l'une tient mieux que l'autre. Ça dépend comment l'une est élaborée et l'autre est élaborée. D'accord, merci. On arrive un peu à la fin des questions qui ont été posées sur le chat. Si jamais il n'y en a pas beaucoup d'autres qui arrivent d'ici les prochaines minutes, bon, on clôturera un tout petit peu plus tôt, hein, il n'y a pas de problème. Sinon, vous pouvez encore les poser pour ceux qui n'ont pas pensé, qui ont des questions de dernière minute, n'hésitez pas à les poser. Moi, je vais en poser encore, enfin, il me reste encore une ou deux à poser. Donc une question, quelle est la différence entre des essais low cycle fatigue et high cycle fatigue? Alors, LCF, donc low cycle fatigue, c'est ce qu'on appelle la fatigue oligocyclique. Donc, ce sont des essais qu'on fait à déformation imposée. Donc, on va déformer l'éprouvette et on est en général dans le domaine oligocyclique, c'est-à-dire que le chargement va dépasser la limite d'élasticité. Donc, on va avoir des boucles ouvertes lorsqu'on trace sigma en fonction de epsilon. Donc, quand on trace la contrainte en fonction de la déformation, on va avoir des boucles ouvertes, donc des boucles d'hystérésis ouvertes. Et ce qu'on appelle HCF, donc High Cycle Fatigue, c'est ce qu'on appelle en français fatigue à grand nombre de cycles. Donc là, les chargements, on fait les essais en contrainte imposée et pas en déformation imposée. Et cette fois-ci, la contrainte qu'on applique est inférieure à la limite d'élasticité. Donc, on est dans le domaine d'élasticité du matériau. Donc, si je traçais sigma en fonction de epsilon, j'aurais une droite en fin de compte. Alors, une dernière question qui est arrivée. Quel est l'impact de l'austénite résiduelle dans la couche cémentée sur la tenue en fatigue? En général, de mémoire, elle doit fragiliser le matériau. Mais là, je ne saurais pas trop vous répondre. Je peux me Allez. renseigner si ça intéresse quelqu'un et je lui donnerai la réponse après parce que là, comme ça, je ne saurais pas vous répondre. Très bien. Si la personne veut avoir une réponse plus précise, elle peut laisser son adresse mail, enfin le dire en chat, dans le chat et laisser son adresse mail et moi je transmettrai à Madame Terre. Il y a eu d'autres questions qui sont arrivées là juste à l'instant, trois. Pour une analyse méca d'une pièce en statique, faut-il regarder les contraintes de, alors je crois qu'il y a un petit, von Mises ou les contraintes principales? D'accord. De von Mises. Donc, vaut mieux en fatigue, vaut mieux regarder les contraintes principales. Alors déjà parce que l'avantage des contraintes principales, c'est qu'elles ont un signe. Donc on sait si c'est de la traction ou de la compression. Et deuxièmement, c'est celles-ci qui sont les mieux, on va dire les plus appropriées pour faire des calculs en fatigue. Donc on conseille toujours d'utiliser les contraintes principales maximales pour faire les calculs en fatigue. Merci. Une autre question. Est-il possible d'obtenir des informations quantitatives sur un chargement sur une pièce rompue à partir du faciès? C'est compliqué, mais on peut arriver à sortir un certain nombre d'informations à partir du faciès. Donc en mesurant les différentes dimensions sur le faciès et en passant cette fois-ci par la mécanique de la rupture, on peut arriver à estimer des ordres de grandeur de chargement. Mais il faut passer à travers les calculs de mécanique de rupture et des dimensions des zones rupture brutale et rupture de fatigue. On peut arriver, par exemple, à déterminer un chargement maximal, mais il faut tenir compte que ce chargement maximal dû à la rupture brutale
va tenir compte aussi bien du chargement de service que des contraintes qu'il y a à l'intérieur de la matière. Donc, c'est pas toujours aussi simple que ça d'en déduire le chargement réel que voit la pièce, puisque dedans, vous avez aussi les contraintes qu'il y a dans la pièce qui vont apparaître. Donc, on peut arriver à deviner, on va dire, à avoir des ordres de grandeur qui peuvent ensuite vous aider à savoir quel est le chargement si vous le connaissez par ailleurs. D'accord, merci. Il y a quelqu'un qui demande, le CETIM met-il à disposition des courbes de Wöhler? Oui, vous avez dans la Mécatech une base de données de fatigue sur un certain nombre de matériaux qui existent. Donc, il y a un certain nombre d'aciers qui sont renseignés, il y a quelques aluminiums. Voilà, donc il y a un certain nombre de données qui se retrouvent dans la Mécatech, donc des courbes de Wöhler qui sont données à la Mécatech. Et puis après, voilà, vous avez d'autres sites ailleurs hein, qui vous donnent aussi la possibilité de récupérer des données à droite et à gauche. Vous avez aussi des handbooks qui existent hein, avec des données de fatigue. Un autre participant demande si vous pouvez nous parler de la microplasticité en HCF. De la microplasticité en HCF. Bah, c'est-à-dire que localement, vous avez de la. De toute façon, tout amorçage de fissure est dû à un endommagement local. Donc, vous avez forcément de la microplasticité localement hein, avant pour amorcer une fissure et ensuite la propagation. La seule chose, c'est qu'en HCF, ce qu'on dit, c'est que votre pièce, elle est toujours dans le domaine d'élasticité. Et en gros, vous avez simplement une toute petite zone à l'endroit où ça s'amorce, où vous êtes dans le domaine élastoplastique. C'est ça la différence entre, on va dire, l'oligocyclique, où là, votre pièce, entre guillemets, ou une grande zone de votre pièce est dans le domaine élastoplastique. D'accord, merci. Donc on est arrivé à la fin des questions et comme il va être l'heure, on va clôturer. Merci à tous pour vos questions. Si vous avez une question particulière supplémentaire que vous voulez poser au CETIM, vous pouvez l'envoyer à l'adresse mail sqr@cetim.fr. Donc je l'avais noté dans le chat. Vous pouvez retrouver cette adresse mail dans le chat. SQR pour service questions-réponses@cetim.fr. Le replay sera disponible très bientôt sur la chaîne YouTube de Technique l'ingénieur, donc vous pourrez revoir cette présentation et la session questions-réponses. Merci à tous de nous avoir suivis. Vous allez recevoir une petite enquête de satisfaction à la fin de ce webinaire. Merci de prendre 5 minutes pour y répondre. Au revoir. Au revoir.